Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Sony RC. J'espère que vous allez bien. Alors, je pense que ma caméra est pas bien centrée. Hop. Oh, il y a déjà du monde, excusez-moi, je vous ai fait attendre un petit peu. Alors. Salut André, salut Rémi, salut Black. Week-end du dessin Caromanie. Pourquoi week-end? On n'est pas en week-end. Eh, on est lundi. C'est le début de la semaine. Salut Virgile. Alors, salut Eric Chenavier. Salut Shaney. Salut Sébastien Fausser. Alors, ma petite caméra est tournée ici. Voilà. Je vois rien du tout. On va inverser la caméra. Donc j'ai mis en pause le montage de la petite Schumfronti. J'espère que ça vous embête pas. Mais comme Manny m'a demandé trois carreaux, que derrière j'ai aussi la carreau de David de Toulouse à faire pour sa serpent. Je chôme pas et la petite Fronti de tout ça, c'est ce qu'il y a de moins urgent puisque la Fronti à la base je l'ai pris pour moi, même si je pense que je sais pas si je la garderai. Voilà, mais peut-être que je la revendrai si quelqu'un est intéressé. Hop, mais en tout cas, j'ai au moins envie de la tester. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on peut pas tester grand-chose en salle. Alors, on bouge, on fait un peu de place parce que là, j'ai pris donc Manny m'a envoyé deux pick-up. Et une petite carreau, et là le pick-up il est vraiment grand. Donc on va faire de la place. Et si j'ai ramené cette carreau à moi là, c'est parce que je vais m'en inspirer. J'ai besoin de la regarder par rapport à ce que Manny m'a demandé. Je vais certainement m'inspirer fortement de celle-ci pour faire quelque chose à Manny sur ce pick-up. Voilà. Alors, salut Justine, salut Tamia, et salut tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Vous êtes déjà 17. Hop. Voilà. Alors, on va prendre. Donc Manny m'a écrit un petit mot. Et oui, il sait écrire, comme il dit. J'aimerais sur le buggy 4-2 quelque chose de bien agressif. Alors, la carreau du 4-2, elle est toute petite. Il va falloir que je trouve ce que je peux lui faire comme bien agressif, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de surface d'expression. Pour l'instant, j'ai aucune idée. Donc, si vous avez des idées à me soumettre, n'hésitez pas dans le chat. Sur le petit pick-up, rouge, blanc, noir. Sur le gros, orange, blanc, bleu. Alors, il m'a demandé orange, blanc, bleu. Et en fait, ça fait trois couleurs. Et moi, j'ai fait cette carreau de Touring. Que vous, on va inverser les cams. Voilà. Salut Tony. Oula. Ça, lui, m'a fait peur. Salut Rémi, ça va? Va et toi? Ouais, ça va très bien. Hello. Alors, donc je disais, j'ai trois couleurs ici. Et enfin, je compte pas le chrome, hein, qui est une quatrième couleur, mais c'est une couleur de délimitation. Donc, il m'a demandé orange, bleu, blanc. Donc je me dis, peut-être qu'en me basant sur une déco que j'ai faite comme ça, et tout en gardant des chromes mais peut-être moins épais, parce que là ils sont quand même très épais, c'était ma première carreau. C'est ma carreau que je me suis faite, donc je pense m'inspirer de ça. Et c'est parti, on va essayer de dessiner quelque chose. Quoi de neuf, Rémi? Bah écoute, rien de spécial. C'est que tout va bien. À part que là, je viens de sortir, je vais bientôt sortir la deuxième vidéo, mais d'un autre circuit et Et pas j'ai pas regardé la vidéo, j'y ai même pas pensé. Bah oui, en même temps, c'est couché super tard hier, j'ai arrêté à 2 h le live, et puis aujourd'hui j'ai fait que de bosser. en Mince. plus, c'est, bah, faut dire que la vidéo, comme Pamela disait hier, faut sortir le popcorn. Pourquoi elle fait combien? Elle fait pour 1 heure de visionnage. Non, mais non, mais il faut pas faire des vidéos d'une heure. Bah ouais, mais moi j'avais tout le truc complet. Comme ça faisait découvrir un peu ma course à l'époque.
Tu m'entends toujours? Ouais, tout à fait. Je t'entends des pauses comme ça. Non, non. Hop. Là, je viens de finir la deuxième vidéo qui est sur la même vidéo du PC. Et j'ai fait un montage pour séparer les deux clubs. Et je vais le mettre sur YouTube. Mais ça va être pareil, ça va être, je crois, aussi une vidéo d'une heure, je crois. Ah, c'est Après, trop, c'est long, hein. Et pourquoi elle fait 1 heure? Ça t'as filmé quoi? En fait, c'est tout le monde la course en fait. Hein. T'as de la course, après, t'as quelques images des stands, quelques images de voiture, et après, c'est surtout la remise des prix en fait, qui est un peu plus vers la fin. En fait, c'est limite. Sur tout ce qui est. Je vais regarder et je te dirai. Parce que j'ai l'habitude de monter des vidéos. Je te dirai ce que tu aurais dû éventuellement enlever, tu vois. Et ça te servira pour les prochaines vidéos, en fait. Ah. Hop, hop. Mais il y a un truc, ce qui est dommage, c'est que sur la vidéo, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas réussi à enlever. Bah, c'est des Une cuts. C'est vidéo. facile à faire, des cuts. Ouais, je sais, mais comme c'est sur mon téléphone, pour supprimer rien qu'un petit microseconde, c'est chaud. Ah putain, tu montes sur téléphone, l'horreur. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est vraiment un bout d'image de quelques secondes. Mais qui est pas en fait, ça a été une coupure à l'époque quand mon grand-père avait fait son montage à lui. Il a oublié d'enlever l'image d'une soirée en famille, quoi. Et ça, j'ai pas réussi à le retirer parce que je sais pas, j'ai pas réussi. Bah, quand tu es précis comme ça, moi quand je dois faire des cuts très précis, bah tu zoomes le plus possible dans la timeline et comme ça tu peux faire des cuts à une image près en fait. Sachant que dans Ouais, une mais. seconde tu as environ 25 images, quoi. Voilà. Hop. Ouais, mais sur téléphone, c'est chaud. Alors là j'ai le film de protection qui tient pas ici. Bah, je sais même pas comment tu peux envisager de monter une vidéo sur téléphone, c'est un truc de fou. Salut Sébastien Humbert, salut Hurricane, salut McFly, salut Daniel Re, salut Nounours RC64. Bah voilà, il y a déjà. Oh, déjà 30 personnes, merci à vous tous. Alors on va allumer une petite lumière en plus. N'oubliez pas les pouces bleus, les gars. Voilà. Voilà, donc voici la carreau pick-up à rallonge. Donc celui-là, quand je dis à rallonge, parce que l'autre c'est pick-up, c'est cette partie-là en moins. Et. Alors, dites-moi pour quelle voiture est destiné ce pick-up. Moi, j'en ai aucune idée. Manny me l'a pas dit. Il m'a envoyé trois carreaux, il m'a dit un pick-up. Il y a un petit pick-up, un gros Je pick-up. crois qu'il avait dit hier. Je crois qu'hier il avait dit que ça allait pour une Huawei P20. Ah bon? T'es sûr qu'il a dit ça? Ouais, Et les il me gars, dans semble le qu'il avait dit chat, ça. est-ce que vous vous souvenez de ce Je que suis Manny a pas dit? sûr, mais. Est-ce que vous savez pourquoi cette voiture est destinée? Salut à Le tous. salut monsieur Laloutre, ça va? Bon, alors je dis ça va, il répond plus. Oui, j'ai dit oui. Eh ben non, j'ai pas entendu. Eh ben tant mieux. Hop. Ouais, sinon Tony, mon logiciel de montage c'est Video Maker sur téléphone. Moi j'utilise Final Cut Pro sur Mac. Et mon fils quand il monte pour sa chaîne, il monte avec Adobe Premiere Pro. Ah, mais c'est un logiciel payant aussi. Ouais. Après, Bon, je préfère partir gratuit, c'est mieux. si t'es fut-fut, tu peux le trouver hein, si t'as pas envie de le payer. Mais ton fils, Romain, c'est quoi? C'est sur Windows ou c'est sur Mac, vidéo? C'est exactement le même. Premiere Pro, il est exactement identique sur Mac que sur Windows. Mais lui, il est sur un PC portable. Bon, j'irai C'est mon PC dire. d'ailleurs. En fait, moi, j'ai un PC de bureau.
Et j'avais acheté il y a quelques années un PC portable pour quand je dois travailler en déplacement ou chez des clients. Voilà. Et résultat, comme je travaille rarement chez des clients, le PC il sert à mon fils. J'arrive. Et dis donc, on peut même pas bien effacer. Alors, hello les loulous, bonsoir Tony, ça va ch'ti? Oui, ça va bien, je m'occupe de ça de suite pour ce que tu sais. Comme. C'est quoi comme carreau? Bah justement, j'en sais rien. Il me l'a pas dit. Il veut faire une Obao Hyper MT 1.5. Ok, bah tu vois, il y a Eric Chenavier qui a l'air de savoir. Bah, il m'a pas demandé de Flaming, monsieur Sébastien Fosser. Il dit pourquoi pas un Flaming partant du capot et qui part sur les côtés. Je sais, je verrai bien. Alors, j'ai deux. J'ai deux pick-up à faire. Pick-up, l'autre c'est rouge, blanc, noir. Je trouve ça un peu tristoun comme couleur. Rouge, blanc, noir. Ça manque d'une couleur qui pète, ça. Blanc, c'est triste. Noir, c'est triste. Et rouge, c'est pas une couleur gaie. Enfin, il y a plusieurs styles de rouge, hein, mais dans ces cas-là, je vais essayer de trouver un rouge qui penche un peu vers l'orangé, parce que moi, le rouge que j'ai, il est un peu carmin et c'est un petit peu sombre. Ouais, j'aime pas, j'aime pas. Et l'autre, il est un peu vers les roses. Ouais, je vais voir. Mais pour le flaming orange, blanc, bleu. Il m'a pas demandé de flaming. Et le truc, c'est que je connais très peu Manny. Je connais pas ses goûts. Et il m'a pas exprimé tout à fait ses goûts. Donc je pense qu'il m'a donné carte blanche par rapport à des choses qu'il a vues sur mon site. Et justement, ça fait partie des carreaux qu'il aime bien. Il aime bien aussi le XT2 qui est derrière moi, vous savez. Vous voyez ce que c'est que le XT2, la carreau que j'avais faite là. Je vais vous la remontrer. Ça, il avait mis un commentaire il n'y a pas longtemps en disant, ah, ça me plaît. Donc ça, il avait aimé. Mais là, le truc, cette déco, elle a que deux couleurs. Voilà. Hop. Salut Ninou! Il va mettre du vert gazon. Non. Après, il m'a mis en bas. Ni rose, ni violet, ni pastel. Sinon, je viens. C'est clair. Et ouais. Et dans son mail, il avait marqué sinon, pampan cucu. Voilà. Donc, si je mettais du rose. C'est clair. Donc, hier, c'est vrai que j'ai un peu blagué en lui disant qu'on allait lui faire des petits cœurs roses. Alors, façon, le design de carreau, tu donnerais la carreau à 100 personnes, il n'y en a pas un qui dessinerait la même chose. Pas un. Non, ça fout, je l'avance un peu par là. Voilà. Je pense que. Il n'y a que si je dessine là que vous ne voyez pas. Voilà. Salut RC Passion. Vacances forcées par sa Gigi. Je connais pas. Gigi, c'est le nom de sa femme. Le truc, c'est que moi, C'est ça. je connais pas. Je connais pas à fond Mani. Il sort tellement de vidéos. Et puis moi, je suis tellement occupé en dehors. Déjà, vous avez pu remarquer, je stream énormément. Donc ça me laisse déjà moins de temps. Quand je suis en dehors, c'est fini la RC. Hein. En ce moment, la RC, c'est que quand je suis en stream. Mais dès que je suis plus en stream, je suis rarement présent dans mon atelier. Donc, allez, on va réfléchir. Alors, j'ai Ah envie oui. de.
Alors. Salut Bumblebee. Le plus dur, c'est de commencer les premiers traits de crayon et après c'est parti. Des éclairs, ça changerait des flammes. Bah, en gros, dans ce qu'il m'a dit là, carreau agressif, il m'a dit hier, et je vais le noter. Alors, agressif. Il m'a dit éclair. Donc, dans l'agressif, il peut. Vous qui le connaissez, pour certains qui avaient l'air de bien le connaître, j'ai déjà vu sur des vidéos qu'il portait des t-shirts de hard rock, genre AC/DC. Est-ce que c'est vraiment un truc dont il est fan? Parce que je peux très bien regarder un petit peu, faire un peu de pige là-dessus, voir ce qu'il y a comme design un petit peu dans le monde de tout ce qui est groupe de hard, de metal, hard rock, tout ça. Orange, blanc, bleu. Après, c'est vrai que typiquement, je sais, jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment fait de flaming sur les voitures, mais là, il y a vraiment de la place et c'est un pick-up typé américain. Et comme justement il y a du orange, pourquoi pas faire, dites-moi, mais deux, trois flammes juste derrière les roues avant, quoi. Je sais que vous dites ça changerait, mais jusqu'à maintenant, moi, j'en fais quasiment jamais, hein. Je fais des grandes pointes, des grands arrondis, mais c'est pas des flammes, hein. Voilà. Je verrais bien un gros fer à souder sur le carreau. Ça, je peux le coller. Photo, tu le prends en photo et tu l'imprimes et tu le colles en sticker. Daniel, bah là, la première partie de soirée, c'est dessin de la carreau et coup de terre. Coup de terre. Et après, en deuxième partie de soirée, aéro. Aérographe. T'as dit quoi, Rémi? Excuse-moi, j'étais en train de parler. Ah, je disais comme la loutre disait par rapport au poste à souder, là. Ah. De le coller sur la carreau. Ouais. Je l'ai dit, tu le prends en photo, tu l'imprimes et tu le mets en sticker sur la carreau. C'est un métalleux, dit Christophe. Ok. Fan de hard rock. Ok, les gars. J'ai déjà regardé pas mal de ses vidéos, mais c'est pas évident. Il parle des RC, il parle pas spécialement de lui. Hein. Et puis ses carreaux, à chaque fois que je vois qu'il parle de ses carreaux, c'est les carreaux incassables. Ils sont peut-être incassables, mais comme je disais à Christophe l'autre jour, c'est peut-être incassable, mais c'est pas très joli. Hein. Donc en fait, je pense que c'est bien d'avoir une belle carreau pour la voiture exposée chez soi. Et une carreau incassable pour aller faire le con. Alors, je regarde juste. Je vais vous. J'ai un logiciel. J'ai une police de flaming. Je vais juste regarder à me taper une flamme. Vous en dessinez une et vous... je vais demander ce que vous en pensez. C'est quoi le logiciel pour. Bah. Un petit WordPad tout con. Voilà. Alors, on tape du texte. Et on prend une police de flaming. Alors, une police flaming. Alors, voilà. Là, il y en a une. Non, ça, c'en est pas une, ça. Des formes qui sont dans le logiciel de l'imprimante. Non, dans une police que j'ai téléchargée. Voilà, là j'en ai une. Hop. Tu sais, des polices, tout simplement. T'as des polices, tu trouves des polices de n'importe quoi. Il n'y a pas que des polices de caractère. Tu trouves des polices de...
de flammes. Tu trouves des polices de petits cœurs, des polices de tâches. Tu trouves de tout. Des polices de petites flèches dans tous les sens, des polices avec des guitares, avec des notes de musique, des polices avec des animaux, des dinosaures. Ouais, j'ai jamais fait attention. Ouais, tu vas sur dafond.com, tu trouves tout ce que tu veux. Bah justement, c'est là que je vais pour, enfin moi, pour mon boulot, quoi. Voilà, là j'en ai encore une autre. Ah merde, je l'ai raté. Hop hop. Alors celle-là. Non, je vais faire un copier. Coller. Coller. Ctrl Z. Tac. V. Mais non. Ctrl C. Ah oui. Trop nul ce logiciel. Alors j'en avais repéré une deuxième là. Hop, il y a le micro devant. Easy. Yes, ça est pas mal celle-là. Alors. La misère là, ce qu'ils ont décrété avec l'Angleterre là, j'ai commandé, enfin j'ai passé une commande chez Shum Ouais, et tout est encore? bloqué. Tout est bloqué. T'as commandé. Alors voilà, j'ai des flammes. Oh, des pièces principalement. Alors, je vais lire un petit peu ce que vous avez mis. Alors, du Metallica, nous dit Ninou. Ok. Je vais regarder. De toute façon, je vais regarder les groupes de métal. Hard rock. Alors, il est rock, metal, punk. Des couleurs assez sombres. Ok. Flaming. Il aime bien les groupes de hard rock. La bouche des Rolling Stones. Bah, je live jusqu'à 8h, 8h15 à peu près là. Et puis après en deuxième partie de soirée certainement. Après, il y a des chances après vers 22h. Voilà, comme hier. Ça va être les certainement l'horaire. Comme je le dis, si vous voulez être informé, vous activez la petite cloche à côté du bouton s'abonner sur l'application YouTube de votre téléphone et surtout sur le système dans les préférences de votre téléphone, vous demandez à avoir les notifications sonores de l'application YouTube ou tout au moins sur votre écran verrouillé. Comme ça, quand je lance un live, eh ben, vous recevez au moins une notification et un petit éventuellement un petit son sur votre téléphone. Et il sera marqué Tony RC est en live. C'est pour ça que vous avez vu, hein, le plus dur c'est de commencer. Et il y a un travail de réflexion. Donc ce qui est pas plus mal pour moi, c'est. Ouais, dis donc, il y a du monde. Salut, 42 personnes. Vous êtes nombreux. Donc je suis en train de décider du design qui va être fait sur la carrosserie pour Monsieur Mani, qui m'a envoyé trois carrosseries, dont deux pick-up et une toute petite carrosserie de 1 dixième 4-2, je pense. Voilà. Alors, je suis pas sûr. Alors je fais gaffe parce que elle est bizarre cette carreau. Sur certaines carreaux, je peux effacer facilement mon dessin. Et celle-là, elle s'efface pas facilement. Et en fait, ça c'est un truc que je peux rajouter après. Tu es de vous, Miguel? Ah voilà, là ici. Alors, ça pourrait être pas mal ça. Regarde le plan de. En fait, il y a des flamings qui sont assez compliqués des fois. Lumière, c'est passion. Il l'a déjà dit, t'es déjà là tout à l'heure. Salut Miguel! Du coup, je regarde le lendemain. Pourquoi? Pourquoi? Salut Tony! Pour moi, le souci, c'est qu'on a 3 heures de décalage horaire. Je suis désolé.
Moi, je m'adapte à ma famille et à ma femme. Voilà. Et c'est pas ma femme qui s'adapte aux horaires idéaux de streaming. Donc, je suis désolé. Ou sinon, je pars sur une caro plutôt dans le style que je sais faire, classique pour celle-ci. Et la deuxième, je me lâche, puisqu'on est sur des couleurs un peu plus sombres, un design un peu plus sombre, avec un peu de flaming sur les portières arrière. Je vais faire ça parce que sinon là je vais mettre trop de temps à démarrer. Et comme ça on aura vraiment deux carreaux extrêmement différentes. Il m'a envoyé trois carreaux. Le but c'est que je lui fasse trois carreaux très différentes. Voilà. Donc comme ça ici il aura une carreau dans le style que je fais habituellement. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé des peintures. C'est aussi, je vais pas faire quelque chose de très différent. Et il m'a demandé parce qu'il aimait bien ce que je faisais. Quand il a vu ce style de carreau, il m'a dit ça, j'aime. Voilà. Donc s'il aime, je vais lui faire au moins une carreau de ce qu'il a vu chez moi comme il aime. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. La deuxième, je vais essayer de m'adapter un peu plus à lui. Et la troisième, je pense que je vais me lâcher. Sévère, sur la petite. Voilà. On va faire ça, les gars. J'aurais un. Regarde voir le pick-up F100 de Ed Big Daddy Roth. Oula, je connais pas celui-là. N'hésite pas, Sébastien Fosser, à m'envoyer si tu, je crois que je sais pas si on est sur Facebook, mais tu m'envoies dans ces cas-là un lien sur Messenger ou sur Discord, je sais pas où tu es. Voilà. Ninou, je vais finir le repas. Et pas de souci, bon appétit Ninou. Y a pas de souci Miguel, chacun suit mes lives comme quand ils peuvent. Moi, je suis tout à fait compréhensif que mes horaires ne peuvent pas correspondre à beaucoup de, en tout cas à tout le monde. Et voilà. Mais je le sais très bien et je fais avec. Mais moi j'essaye aussi que ma femme elle m'égorge pas. Voilà. Donc les horaires que je trouve actuellement, c'est des horaires qui conviennent très bien à notre manière de vivre. Voilà. Sinon vous l'entendriez débarquer ici. Allez, on va y aller. Alors, je vais enlever la petite frontie de chez Choum parce que c'est pas le thème du jour et elle me gêne. Une Qui a parlé? On n'a rien compris. C'est moi, c'est Rémi. Je disais bonjour à Phil, qui vient d'arriver. Salut Phil Merchart. J'espère que je l'ai bien dit. Bonsoir, bonsoir à toi. Voilà, Black. Oui, Christophe, on y va, Christophe, pas de souci. Alors, je pense que je vais faire un capot orange. Ici, les petits. Alors, clairement, en fait, j'aime bien suivre le design de la carreau. Alors, par contre, il m'a pas donné d'autocollant, le saligaud. Il m'a donné aucun autocollant, juste des cache-vitres. Donc, du coup, je ne sais pas s'il a les autocollants, ce qui veut dire que je dois lui dessiner les phares. Donc, un peu plus de travail. Du coup, la calandre aussi. Alors, je ferais bien. Wow. Mais Rémi, ton micro, il marche pas, hein. Franchement. Faut vraiment que t'en trouves un autre chez toi. Ouais, je pense aussi. Je le pense, hein. Mais c'est vraiment une fois sur deux, on comprend rien. Alors,
En fait, tout ce qui est petits trucs comme ça, je peux rien faire dedans. Ah, alors je vais le noter ce que tu me donnes comme information, Eric. Eric, a priori, a trouvé donc le gros pick-up. Donc c'est un. Je confirme, c'est un Obao MT2. Voilà, au moins j'ai l'info, je le note. 2.0. Voilà. Cheney, c'est un Ford Raptor. Faut savoir, les gars. Je crois que c'est un Ford Raptor dans la vraie vie, mais en voiture radiocommandée, ça doit être un Obao. Salut Seb, salut GB, j'ai découvert ta chaîne grâce à Mani, j'ai adoré tes vidéos sur la boutique Wartel. Ouais, bah, il y en aura peut-être d'autres à venir. Sébastien m'a demandé, faut juste qu'on trouve du time, hein, du temps. Là, je le laisse tranquille parce que j'imagine qu'avec les commandes de Noël, il doit avoir du taf. Hop, j'en suis rien. En fait, j'ai vraiment pas envie de faire des pointes là, j'ai envie d'utiliser vraiment le design de ça. Ouais. Non, là, il y a une petite calandre, je sais pas ce que c'est là. Une grosse calandre et ce truc là, il y a un petit trou. Sais pas. Elle est où cette boutique? Elle est tout près de Valenciennes. C'est une ville du nord de la France. Valenciennes, si tu connais pas, c'est à 45 minutes de la ville de Lille, qui est dans le nord de la France. Voilà, donc à l'est de Lille. Et lui, là, sa boutique est à Vieux-Condé. C'est à, je sais pas, 15 minutes de Valenciennes exactement, entre Lille et Valenciennes à peu près. Et c'est vraiment au bord. Il a son village, Vieux-Condé. C'est au bord de la Belgique, c'est à la frontière belge. Donc il est très bien positionné pour les Belges et les Français du Nord. Voilà. Alors si je fais ça, là, ça serait orange. Donc avec un orange ici sur tout ça. Donc là. Ok. Alors, on va faire du. Ah oui, mais bon. Oui, du coup, je vais mettre du blanc. Ah, je pourrais faire le blanc là, éventuellement. Parce que monsieur veut du blanc. Ah non, je vais me merder. Là, je vais merder là-dedans. Faire un truc propre. Alors. Merci Eric, je vais regarder ça. D'accord. Après, attention, le magasin de Sébastien Wartel n'est pas ouvert toute la journée. Hein, avec le. Déjà, de toute manière, c'était fermé le samedi, pour info. C'est pourquoi c'est fermé le samedi? Bah parce qu'ils sont débordés de commandes. Et donc, ils préfèrent être efficaces à faire énormément de VPC que de recevoir des clients en magasin. Je sais que le magasin fait rêver beaucoup de personnes, mais clairement, ils ont compris, ça fait 30 ans qu'ils sont ouverts, et ils ont compris que leur magasin marchait très très bien en VPC, et que les ventes en magasin, c'était souvent des clients qui venaient pour
pour le plaisir, pour regarder un petit peu toute la boutique, parler beaucoup avec Sébastien ou autre. Et donc, pour eux, c'est mieux de vendre, c'est plus rentable de vendre en VPC, ce qui est compréhensif. Alors, je suis pas convaincu hein, qu'ils veuillent du blanc. Hein. C'est malheureux. Malheureux qu'ils veuillent du blanc. Il m'impose trois couleurs, donc bleu, orange, là je suis convaincu. Après, donc blanc. Donc ici. Question peut-être stupide pour toi, mais je voulais savoir si on peut prendre des peintres, des carreaux avec des bombes de graphe. Si c'est pour mettre sur ton étagère, oui. Si c'est pour rouler avec, non. Les peintures conçues pour le Lexan ont des, on va dire des, je suis pas un spécialiste, il manque David pour en parler, ont des agents à l'intérieur qui rendent la peinture plus souple pour, puisque le Lexan. C'est quelque chose qui est déformable. Donc c'est fait pour prendre des chocs, le Lexan. Voilà, les peintures qui ne sont pas prévues pour, elles vont s'écailler et ne tiendront moins sur le support. Merci Jean-Franc. Obao MT 2 Sport. Allez, je rajoute le mot sport. Sport. Comme je connais pas, c'est une voiture que j'ai pas eue. Salut Monsieur Patapouf! Je peux de nouveau regarder, il ne s'agit pas de ma caro. Alors essayez de ne pas spoiler Monsieur Patapouf, donc je lui ai fait sa caro hier. Il avait regardé le début quand j'ai commencé à peindre, puis après il a décidé de quitter la chaîne. Et puis il a envie, donc j'ai envoyé le colis, je l'ai déposé cet après-midi en point relais, et j'espère que il a envie de l'ouvrir, il veut faire une petite vidéo sur sa chaîne. Il n'a pas envie de voir les photos avant, donc j'ai fait des photos. Mais je les mettrai pas sur Facebook pour pas qu'il les croise en ouvrant Facebook. Et n'essayez de. Il va essayer de se désabonner de ma chaîne. Ah, désabonne-toi de ma chaîne. Le temps qu'il a qu'il n'aperçoive pas sa caro. Salut Tommy Fitaman. Désolé. Oh, vous êtes beaucoup. 48 personnes. J'arrive pas avant. J'avance pas, hein, du coup. Merci à tous. Pensez à lâcher des pouces sous la vidéo. Donc on va. Alors je pense que je vais descendre ici. Hop. Là, il me faut une règle bien souple. Vous avez vu ma règle, hein? C'est juste un bout de papier épais. Bonsoir. Oh, voilà notre Suisse. Ça va? Non, ça va et toi? Ça va, Tamia? Ouais, j'ai entendu que t'as posté ma voiture. Non. Je rigole. La carreau a pas tapé. J'allais dire tatapouf. Mais oui, je sais. Ça va? Ouais. Bonsoir tout le monde. Salut Bruno, salut François. Merci beaucoup François. Mon travail est super. Je verrai bien les fenêtres arrière opaques. Justement, moi, c'est une bonne remarque, monsieur Eric Chenavier, parce que là, j'ai fait le contour de la carreau, mais si je pouvais le peindre plutôt que de faire une vitre, moi, ça me ferait. Moi, j'aimerais bien. J'ai juste, comme je connais pas monsieur Mani, je sais pas si c'est un pointilleux et qu'il veut sa vitre transparente. Moi, je préférais la peindre, celle-là. Hein. Ah ouais, j'aime, je préfère, et si je peux la peindre, ça serait cool.
Bonsoir Lalo, bonsoir Rémi. Éric Chenavier, je pense qu'il préférera. Salut Patapouf. Il préférera quoi? Même les fenêtres arrière sur les côtés. Peintes? Oh bah, franchement, si je pouvais faire ça, moi je serais heureux. Vous pensez que je peux les peindre, les trois là? Oh! On t'a pas compris, Rémi. Micro, Rémi. J'attends la réponse. Ah, Monsieur Christophe. Si ça lui plaît pas, tu lui dis que c'est de ma faute. Ouais, mais t'es qui toi par rapport à lui? T'es son pote? Moi, je connais pas, hein. Alors, je note pour Monsieur Mani, Éric Chenavier a dit qu'il fallait peindre les vitres. T'as plein de conseils, Tony, ce soir. Bah, t'as vu le monde? On était quasiment à Ouais. 50 tout à l'heure. Ouais. C'est un truc de fou. C'est bien. 1,62. De quoi? Faut les peindre. Car. Mais d'avis que oui. M'abonner. Tony, ça lui fera une surprise. J'ai comme l'impression qu'il y a plein de potes à Mani là. Comme j'ai mis Mani en titre là, j'ai l'impression qu'il y a. Il y a la bande à Mani. Salut Jam Jam. Ouais, il m'a fait montrer. Ah, monsieur là, l'autre, il est nouveau en l'autre. Monsieur Laloutre, il désespère. Il a commandé chez Choum et il y a le Brexit qui a bloqué les frontières. Oh. Donc ces colis Merci. de pièces Choum, il n'est pas prêt de les voir. Ça va être bien, désolé, j'étais en silencieux. Non, 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 mais Non, c'est pas le j'arrive, Brexit hein. qui a bloqué, c'est le il y a un nouveau virus, enfin une nouvelle souche de Corona qui est apparemment qui est beaucoup plus violente et donc Ouais, du coup j'ai vu ça. 48 heures. Ils ont bloqué les frontières, puis nous, il y a des milliers d'Anglais qui viennent skier, quoi, qui sont arrivés. Après j'ai pris un. Ben, j'ai commandé un lipo là pour la F1. Un shorty, ouais. Ouais. Et c'est du 2S? Oui. Parce que sur le coup, je me demandais si c'était pas comme les 1/12e là, tout en 1S. Non, la F1, c'est du 21,5 Blinky avec un shorty 2S. Ouais. Vous allez mettre quoi comme électronique sur cette F1? Ouais, je vais voir. Bah, moteur, j'ai pris un. Alors J'ai non, j'ai. chopé un match mort. J'ai trois Donc là. couleurs, les gars. Sur ce gros pick-up, il m'a demandé de lui mettre. Le gros, il veut du orange, du blanc et du bleu. À moins que j'ai mal lu, hein. Ça doit être du bleu. Eh les gars, ça reste entre nous, hein. Mani, il a écrit, mais normalement, en vrai, un vrai langage. Mais ça, c'est entre nous. Bah, entre nous, ça va être difficile, hein. T'as jamais vu Mani écrire? Quand il répond aux Si, commentaires. si. J'ai bien aimé le Il coup fait du fer à souder. exprès. Ah oui, il fait exprès, tout à fait. Bon, alors moi je vais taper une pointe. Hein. Ah oui, du coup, la fenêtre qui est là, je vais pouvoir la peindre. Je taperais bien une pointe jusque-là. Hein. Putain, ça va être chiant de passer la pointe là-dedans. Hop, hop. Allez, au milieu de là, au milieu de là, à peu près. Tac.
Bon appétit. Bon Bah oui, voilà. appétit. Bah ouais, les vitres latérales arrière très fumées. Je suis d'accord. Par contre, la vitre arrière, j'ai envie de la peindre. Mais les vitres arrière, je vais peut-être pas les peindre. J'ai envie de les fumer. On est d'accord, on va le mettre dessus. Très fumé. En espérant que j'ai assez, qu'il me reste assez de fumée. Parce que s'il faut que je repasse une commande là. Ouais, peut-être sinon. GB, un peu plus d'orange. Oui, j'ai prévu d'en mettre plus d'orange sur le capot. Parce que moi, je suis d'accord, j'aime bien les couleurs voyantes. Et je pense que c'est la partie blanche. Que je vais. Non, c'est pas que je vais la réduire. Ça sera peut-être la moins importante. Ouais, je vais peut-être pas faire revenir le blanc à l'avant. Le blanc, je vais voir. Mais tu vas faire les trois de suite alors. Enfin, je vais pas faire les trois. Comme c'est trois carreaux différents, je vais les traiter une par une. Alors, comment je peux faire ça? Hop. Tac. Un deuxième point ici. Ouais, si je sais. Je vais pointer le haut de la ici. Par contre, il faut que je décide où je m'arrête. Là, je suis en orange. Allez. C'est dommage que la baigne ait autant De de trucs. bombées. C'est. Tu peux quasiment rien faire dedans. Ouais. Tes coups de cutter, ils iraient pas droit. C'est une catastrophe, cette benne. Allez. Tu peux pas faire grand-chose. Franchement, c'est une cata. Si, tu peux faire des choses, mais il faut que ça soit ben, rectiligne, quoi. Ouais, mais j'ai mon idée là-dessus. Je pense que. Et puis là, c'est pareil, il y a des trous là. Je sais pas ce qu'il y a. Il a fait des trous là. Vous savez ce qu'il y a dans ces trous ici? Il y a déjà des gros trous là à l'arrière, excentriques. Plus encore quatre autres trous là ici. Alors est-ce que c'est un pare-buffle, je sais pas comment on dit là. Un truc en métal qui se met là, une espèce de grille. Si vous avez des infos, je suis preneur. J'ai besoin de savoir ça, moi, pour le design, pour en tenir compte. Ah, ça veut dire genre un ouais, une barre, ouais. Bah Bruno, tu sais, moi j'aime bien faire des flammes orange. Et là, le problème, c'est que là, mon orange, je voulais le mettre derrière. Ouais, une 92, ouais, genre d'arceau. Bon, ça va être en plus chromé, je pense. Ouais, je pense que c'est un arceau. Ouais. Donc là, je suis en train de faire une grande, deux grandes pointes pour faire comme un flaming. Mais effectivement, du coup, je suis en train de me tâter si je vais pas inverser plutôt que de mettre mon orange à l'arrière. Peut-être inverser et mettre le orange dans cette zone-là. Je réfléchis encore. Et donc là, je veux faire une deuxième pointe qui irait à peu près jusque-là, à mi-chemin. Après, il faudrait savoir si l'arceau il est en noir ou en style chrome.
Ça aussi, ça pourrait jouer sur le choix de couleur. À moins que je change la forme. Mais putain, ils veulent tous que je fasse du flaming. Je suis sûr que Manny regarde ton live. Hier, il est passé. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Bruno, ouais. Je pense que sur le deuxième pick-up, je vais vraiment faire des vraies flammes style pur flaming américain. Je m'engage à le faire. Là, on va rester. Bon, dans le deuxième, je m'engage à le faire. Là, je vais rester sur des flammes, mais plus géométriques. Ça va être plus des flammes pointes avec un arrondi devant. De toute façon, si ça me plaît pas, quand j'ai fait mon tracé, je change. Voilà. Voilà. On va plutôt faire un truc comme ça. Et là, bonsoir 100% RC, ça va? Allez 100%. Salut 100%. Tony, tu as des détails pour l'arceau. Alors, les détails. L'arceau est large, composé de deux barres reliées par des barreaux perpendiculaires. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, je peux. Effectivement, je peux peindre derrière. Bon, les deux cas. Dans tous les cas, on verra pas bien ma peinture si je peins derrière. Donc. Alors, comment j'ai fait pour l'autre? Oui, non, il faut que j'aille comme ça.
C'est dur des fois de prendre des décisions et puis de se dire qu'il y a 46 personnes qui te regardent et que je suis pas sûr des fois de ce que je fais, tu vois. Et qu'il n'y en a pas un de vous qui pense toujours la même chose, qui se dit mais pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça. Ah, c'est sûr que c'est pas évident. Hein. L'arceau est noir. Ah, j'avais pas vu ça. Merci. Ouais, désolé, des fois, entre dessiner, j'arrive pas à regarder le chat en permanence et dessiner en même temps. Et avancer. Alors, si je la fais pointue, ça donne quoi? Alors je la mets plus loin parce que des fois je vois, j'imagine mieux quand c'est plus loin de moi. Ah non, j'ai envie de casser avec une droite. Ça me plaît pas l'arrondi, je vais faire une droite. Et ouais. Salut RC Jam Jam. Il était déjà là, monsieur Jam Jam. Jam Jam est dans la Ouais, mais je place. l'avais pas vu. Moi, je voudrais savoir pourquoi Jam Jam. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il s'appelle Jam Jam? Ça doit être Jamel, sûrement le prénom. Ça va encore, Black. C'est juste dans cette zone-là. Cette zone-là, elle n'est pas facilement appréhendable. Je pense que... Dans la réalité, cette zone-là, les gars, c'est quoi ça? L'arrière comme ça, c'est de quelle couleur en vrai, ça, ce genre de truc? Parce que moi, je suis tenté de faire du gris métallisé à l'arrière, ici, dans cette zone-là, avec des petits motifs dessus, par exemple des petits points ou des petites trames pour détailler encore plus, mais sur cet ensemble. Voilà. Normalement, la benne, elle est de couleur. Enfin, sur le F-150, c'est couleur carrosserie, hein, normalement. D'accord, donc c'est une couleur unie, mais de la carreau. Normalement, oui. Ouais, bah moi je pense que ici dans cette zone-là, je vais faire du gris. Tant pis si c'est moins visible. Je vois, en tout cas, là. Donc là, j'ai un retour ici. Donc le chrome, il va repartir. Le chrome, je vais l'arrêter ici derrière. Toc, toc. Ouais, je vais pas passer tout ça. Soit plaque acier profilée anti-dérapage ou couleur carreau. Motif dragibus. Mais je pense que je vais faire un effet métal alu, quoi. Voilà. Un effet bois, c'est peut-être un peu plus dur à faire. Tiens, d'ailleurs, je me suis encore jamais penché sur comment faire du bois. Ouais. À l'aéro.
Alors là, ici j'ai envie de remonter droit, parce qu'en diagonale ça va être la merde. Alors d'ici à là, comme ça. Je pense que pour faire des genres de bois, là, il faut travailler au pinceau, je pense. Un logo Obitech. Ok. Donc il aime bien Obitech, c'est ça? Anthony, t'as un sacré mélange, là. Chacun donne son idée. Ah non, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur pour mon cerveau, je te jure. Non, mais le logo Obitech, je sais que c'est une blague. Inspire-toi, comme tu sais faire. Salut Ben's Bike. Bordure Chrome, ça c'est Chrome. Non, mais je rejoins là, tout simplement. Plutôt là, ici, comme ça. Depuis le milieu, ouais. Salut Ben Spike. Tu sais que On c'est très connaît. probable qu'elle passe sur son live. Hein. C'est pas pour te mettre la pression. Sur son live, hein, qui est? Ben Mani. Il fait Ah, il pas fait de un live, je sais pas. live, Mani. Enfin, sur ses vidéos. Prendre une partie de mon live, non. Il fait pas ça. Non, les carreaux, il va présenter sûrement les carreaux que tu fais. Je sais pas, je sais pas. On va le connaître. Faut que j'augmente mes tarifs x4 là. S'il en parle, il va y avoir trop de monde. Les gars, vous voulez des tarifs pas chers? N'attendez pas que Mani parle de mes carreaux sur son site. C'est un peu ça, non? Oh. Connect, c'est de Obi-Wing, c'est pas Connect, c'est mauvais. du Obi-Wing, ouais, tout à fait. En électronique, on parle. Manu, il utilise le Obi-Wing. Ouais, c'est exactement du Obi-Wing, ouais, tout à fait. Donc, entre guillemets, il n'y a pas trop de problème à avoir avec un Vario Connect. Voilà. Non. Connect niveau moteur, c'est du surpasse. Oui, mais j'ai dit en électronique. Tout En à fait. vario, je vais montrer attention ce qu'ils ont fait. Après le. Il n'y a que le design qui est entièrement retravaillé. Qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Le design est entièrement retravaillé par Connect, par contre. C'est un design spécifique Connect. Ah non, c'est possible, mais je dis que c'est pas non plus mauvais. Ça Non. reste du loisir connect, on est d'accord. De toute façon, Obitech et iModel se cachent pas que leur public visé, c'est un public plutôt loisir. Hein. Voilà.
Moi, je connais pas bien Vitek, hein, mais c'est vrai que soit on entend du mauvais, soit on entend du bien. Ça dépend tout d'où ça vient. À partir du moment où c'est français, t'entendras. À partir du moment où un truc est français, c'est très dur dans le monde du modélisme. De... À toute époque, le français a été hyper critiqué. Il n'y a personne qui râle sur les prix exorbitants de Traxas. Traxas, j'ai jamais acheté. C'est, ouais, c'est exorbitant les tarifs. Ouais, t'achètes un combo 3S, 200 euros, quoi, le VXL. D'accord. Rien que le combo. Et puis voilà, c'est pas forcément du. Ça marche, oui, mais c'est hors de prix, quoi. Alors attends, je vais relire un petit peu parce qu'il y a plein de commentaires qui sont passés. Désolé. Ben, je viens de voir, en fait, ils utilisent l'ancienne carte de programmation de Obi-Wan, donc c'est pour ça qu'il y a moins d'options. Oui, mais ça reste du loisir. Ouais, ils sont partis sur les anciens softs, en fait. Bon, Eric, c'est pas que toute l'électronique Castel, les gros, mais pas les VXL. Oui, je sais, Eric. Moi, j'ai une XO1, j'ai un Revo. Qu'est-ce que tu vas acheter, RC Passion, pour 474 euros? Elle est où la cigogne d'Alsace, nous dit Stéphane. Non, on lui a proposé de mettre de la choucroute sur la carreau. Mais c'est joli une petite cigogne, ça. Ouais. Il m'a pas dit dans son briefing je veux une carreau typique alsacienne, hein, sinon j'aurais fait le petit chapeau de l'alsacienne, tu vois. Benoît Mani, pour cette carreau, je fais les deux faces à peu près symétriques. Tu m'as demandé dans ta phrase si je fais les deux faces parfaitement symétriques. Je te réponds, je les fais à peu près symétriques. Voilà. Je suis pas un maniaco complètement à vouloir faire exactement un côté comme l'autre. Et j'adore les carreaux asymétriques, des fois comme celle d'hier, de Patapouf. Ma carreau est totalement asymétrique et ça me dérange pas. Et je le dis avec énervement parce qu'il y a des gens qui veulent que je fasse du symétrique, même pour les couleurs. Et j'en ai rien à faire. C'est un travail de peinture, de couleur, et c'est donc un travail artistique. Et chacun fait de l'artistique comme il l'entend. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas une carreau qui n'est pas parfaitement asymétrique, moi, j'en ai rien à faire. Voilà, je suis pas un maniaque à vouloir prendre en photo un côté, à le scanner, à le remettre dans Illustrator pour qu'il soit totalement... Vous avez vu, hein, je... En fait, quand tu regardes un côté de ta carreau, tu peux pas voir en même temps l'autre côté. Donc si c'est pas au millimètre près, je m'en fiche. Qui n'est pas d'accord? Alors ça, c'est bon. On va pouvoir avancer. Donc là, j'ai décidé du coup de mettre du blanc. Du coup... Il y a GB qui te demande pour les carreaux, comment il peut te contacter. Alors GB, dans la description de cette vidéo, en dessous, tu regardes, au lieu de mettre le chat, tu regardes la description et tu verras mon email. Voilà, tu peux me contacter soit par email, soit par Messenger, Tony RC sur Facebook. Voilà. Pour les projets, quand vous êtes sûr de vouloir faire une carreau avec moi, plutôt c'est mieux pour moi du email. Parce que le problème, c'est que dans Messenger, des fois, les gens, ils me demandent quelque chose, ils me donnent des infos. Puis après, pendant deux soirs, ils me parlent de leur projet perso. Et résultat, quand je vais devoir travailler sur le projet, je retrouve plus les infos, les idées que vous m'avez données. Et alors qu'un email, au moins, vous résumez un petit peu. Moi, ce que j'ai besoin de savoir quand vous voulez faire une carreau, c'est, pour déjà, vous allez me demander le prix, c'est quelle est la taille de la carreau, quel est votre projet. Si vous n'en avez pas, vous me dites c'est total carte blanche. Ou alors vous avez vu une vidéo, une carrosserie que j'ai faite et vous me dites bah, j'aimerais bien ça.
la même, mais avec peut-être par exemple quelques changements. Et là, vous les exprimez. Plus votre idée est précise, plus je vais être efficace à faire votre carreau. Plus c'est vague, plus je vais traîner à faire le design. Voilà. Donc il y a des fois en fonction de... je vais être aussi franc avec vous, des fois je vais clairement vous dire il me manque des infos, c'est pas assez évident, voilà, ou faut soit vous vous faites confiance au peintre. Donc je dis le terme peintre même si je me considère pas peintre. Voilà. Je me suis mis à l'aéro il n'y a pas si longtemps que ça. Alors ici donc je vais avoir du coup si je change, je mets mon orange là. J'ai un retour de orange. Ici et là, ça sera plus du orange. Là, ça sera pas du orange. Donc là, j'ai mon orange ici qui va monter là, dans cette zone-là. Donc là, c'est plus du orange. Je suis en train d'inverser pour avoir mes pseudo-flammes sur le côté en orange. J'ai dit mes pseudo-flammes. On n'est pas dans le style flaming. Orange. 48, 49. À chaque fois, on flirte avec les 50, les gars. Merci à vous. Merci à vous tous. Et au nom de l'équipe qui me rejoint à chaque fois sur le Discord, parce que je vois qu'ils sont hyper fans. N'est-ce hein. pas, elle est là, l'outre, Rémi, Tamia, et là, l'absent David, notamment. J'ai mon équipe de super fans. Hein. Ça fait plaisir. Merci à vous. Ah bah quand on fait du bambou, là on est fan. Alors, hop. C'est cool. T'as vu, monsieur Tamiya, il y a toujours ta voiture, elle est derrière. Elle est là-bas. Je sais pas si on la voit. Ouais, mais j'aimerais bien l'avoir dans mon salon, hein. Regarde, attends, je la zoome un petit peu. Clac. Alors, oh, on la voit pas bien là. Voilà. Elle est là. Ah non, tu la vois pas parce que c'est mal éclairé. Elle est Voilà. pendue. Là où il y a mon doigt, sous la lampe jaune là. J'ai mis ta petite X-Ray GT8. Voilà. Et la carreau, elle est là, au-dessus de moi, Ouais. ici. Voilà. Voilà. Parfait. Bon, c'est juste, moi je sais que c'est pas le moment, mais t'as un petit peu eu des nouvelles ou bien pas encore Deux. des pièces. Non, j'ai envoyé un mail là en fin d'après-midi. De chez Gouin, d'accord. Ouais, j'ai envoyé un mail chez Gouin pour. Pour savoir. Mais normalement, les pièces, ça, ils les ont envoyées, donc elles sont sur la route. Voilà. C'est juste qu'en Ouais. ce moment, tu tombes en période de fête, t'as pas de Ouais. chance. T'as pas de chance. Bien, bien, bien. Non, non, c'est pas très grave, mais c'est juste comme ça, je te pose la question. Donc, Allez, je te laisse tranquille avec ton. ouais, parce qu'à chaque fois, je parle, je t'en veux pas, hein, à chaque fois que je parle. Donc, s'il n'y a plus mon orange, là, mon orange, c'est soit je mets mon bleu sur toute la partie arrière, ce que j'envisagerais de faire ici, je serai sur le. La grosse partie bleue. Du coup, mon tonneau à l'arrière, je sais pas comment l'appeler, la benne. Ici, on serait sur du bleu. Voilà. Tout le reste. Ici, au milieu, je vais découper. Je sais pas si je découpe là ou plutôt au-dessus. Et ici, on va être sur un gris avec des effets. Voilà. Hop. Tu attends la tombola, il y a une X-Ray, non une Serpent GT8 à gagner. Mais on connaît déjà le gagnant, vous le savez pas. On connaît. En fait, ça va être un concours truqué, les gars. Monsieur David Toulouse m'a envoyé le kit pour qu'on puisse faire le montage en live. Donc vous avez pu profiter pendant une semaine du montage de cette GT8 Serpent. Le truc, c'est qu'il l'a pas annoncé à sa femme, mais il sait pas comment annoncer qu'il a fait cette dépense. Donc du coup, il y en a dans le chat qui ont soumis une idée, faire une tombola. Et on va faire ça sera une fausse tombola. Et on dira, David dira à sa femme qu'il a gagné la tombola. Et à la tombola, il a gagné la Serpent GT8. Voilà, la Qui lui GT. appartient de toute façon. Puisque c'est lui qui l'a déjà payé, hein, bien sûr. Ouais, Voilà. mais JB descend, on a assez des serpents. Voilà. Mais si tu veux, je peux t'offrir une X-Ray. C'est juste qu'il y en a qui ne seraient peut-être pas d'accord. Voilà. Salut accro. Accro au modélisme. Mais Bumblebee.
JBD, ça. Il veut tout. Il veut quoi? Il veut une GT normale, puis une de secours. Alors je le dis parce que là vous êtes beaucoup de personnes, si jamais vous avez une envie, un projet, et que vous êtes peut-être un peu short sur le budget, il y a toujours une possibilité de me contacter. Vous savez, je commence à avoir du poids auprès des magasins ou des importateurs. Et donc l'idée, c'est ce qu'on a fait pour Monsieur Tamiya. Ça, c'est ce qui va être fait pour Monsieur Christophe Legros avec le nouveau projet qui va arriver dans 10-15 jours. Donc, c'est-à-dire que je négocie un achat d'une voiture complète avec carreaux. Et le projet, c'est l'engagement de la remise qui est effectuée par le distributeur. C'est qu'en échange, bonsoir Accro, salut Mumblebee, excuse-moi, j'avais pas vu. Et donc, en échange de cette remise, je m'engage à faire le montage sur la chaîne, donc première vidéo unboxing, deuxième vidéo montage, éventuellement s'il y a un accord avec vous, un petit roulage, donc sans abîmer la voiture. Le but étant de dégraisser, merde, je trouve plus le mot, de dégrossir les réglages de la voiture afin de vous mettre une voiture clé en main montée, peinte et à peu près réglée. Voilà. Et donc vous bénéficiez d'un montage et d'une remise au passage. Donc si vous avez des projets comme ça, le but étant de ne pas faire des projets qui viennent d'être faits sur la chaîne, à nouveau, ne pas faire les mêmes. Donc là, le prochain projet, ça sera un Truggy Associated 1/8. Donc le Team Asso 1/8. Voilà. Salut Dimi. C'est pareil, si vous avez envie de ça, vous me contactez soit sur Messenger, soit sur mon email qui est en dessous de la vidéo, en description, tony59rc@gmail.com. Le but en fait, 52, tenez. le 52, ah, ça y est, on vient de battre le record, hein, je crois. Je ne T'as sais mis où la plus. bouteille de champagne? Au frigo. Voilà. Merci les gars, ça fait plaisir. Vous êtes 52, enfin il y a des pics, hein, ça fait que de monter et descendre. C'est les gens, ils se connectent, ils se déconnectent. Il y en a qui vont manger. De toute façon, je vais bientôt couper pour aller manger aussi. Non, j'ai pas de remise JBD chez Aerograph Discount et il n'y a pas moyen d'en avoir. Aerograph Discount va devenir un partenaire de la chaîne, mais d'une autre manière. Pour l'instant, c'est pas encore bien défini. Je l'annonce déjà comme partenaire, mais c'est pas en remise. J'ai pas de tarif chez eux. Par contre, chez Aerograph Discount, si vous êtes nouveau client, entre guillemets, si vous avez un deuxième email parce que vous avez déjà fait une commande, vous avez moins 10% à la première commande. Moins 10% sur un aérographe et un paquet de peinture et des diluants, des dégraissants d'aérographe. Parce que vous savez, l'investissement en aérographe avec un compresseur, avec des peintures, des nettoyants, vous en avez vite fait pour 300-400 euros. Donc, moins 10% là-dessus, ça se prend 30 ou 40 euros. Champagne Parkside, ouais. T'as un grand admirateur qui est venu, Kevin, Tony. Xavier. tu m'as appelé Kevin. Non, Xavier. Xavier. Tony, j'ai dit. Il y a Xavier qui te fait un. Salut Xavier F, bon live mon toto, je viens juste pour te rajouter une vue. Et tu sais bien que j'ai besoin de ta voix suave pour me bercer. Ah là là. C'est un super pote, c'est mon pote. Merci Ah mon ouais, je Zaza. pense bien. Ça fait plaisir. T'as vu? Parce que Xavier, il fait du streaming de jeux de voiture. Ah d'accord. Mais le pauvre, quand il stream, je sais plus quel jeu, là, Forza ou un truc comme ça. Forza Motorsport. Mon pauvre Zaza, quand il stream, il a deux viewers, mais en se comptant lui-même, tu vois. Ah. Je te tacle, là.
Je sais parce qu'à une époque j'ai streamé du jeu vidéo. D'ailleurs, il jouait avec moi. Et j'avais pareil, au maximum, au bout de plusieurs mois, j'étais monté à 10 viewers, mais au grand maximum. Et là, en RC, ça monte 10 fois plus vite. Voilà. Donc là, pour info, on est en train de simplement préparer le design de la peinture. Donc ce que je ferai, les gars, comme je vais bientôt couper le live pour aller manger, je vais le terminer et le couper certainement en regardant la télé, parce qu'on regarde notre petit film après. Et je reprendrai certainement le live quand, donc vers 22, 22h30 au pire, mais 22h, où là j'aurai terminé de découper au cutter. Je l'aurai fait tranquillement dans mon salon et je commencerai la peinture dès ce soir. Si ça vous Ça convient, marche. voilà. Hop. Les gars, s'il y en a qui trouvent des solutions pour dessiner sur les carreaux de manière 10 fois plus rapide, je suis preneur. Alors, vous savez comment ça s'appelle ce que j'ai dans la main? Une règle courbe. Non. Ce n'est pas une règle courbe. À moins que tu as du retard sur la vidéo. Hein. C'est le truc orange, hein, je parle. Non, ça joue. Ah ouais. Ah, ben voilà. J'ai ma femme qui me demande de venir manger. Donc, il y en a qui ont trouvé. Et moi, je ne dessine pas avant, j'y vais direct. Ouais, mais pour y aller direct, ça veut dire que tu fais pas de masking. Voilà. Alors, bon appétit, Tony. Voilà. Ouais, au pochoir, tout à fait. Non, non, ça s'appelle pas un pochoir, ça. Non, il n'y a personne qui sait comment ça s'appelle. C'est un pistolet. Ah, moi, je vous dis aussi à tout à l'heure, je vais aussi aller manger. Je dois aller. Ah, quoi? T'as pas encore mangé? Mais d'habitude, tu manges à Non. 18h. Non, bah, tu vois, c'est des vacances, hein. Voilà. Les gars, je vous dis. Bah ouais, mais là, je fais du masque. Mais j'aimerais bien. Ça serait trop bien de faire des conventions d'aérographes, les gars. Où chacun, on s'explique nos techniques. Ça serait trop cool. Voilà, donc mais pourquoi pas, j'organiserai une convention peintre d'aérographe, mais c'est hyper chiant, hein. Les gens ils doivent se déplacer, j'habite dans le nord de la France. Bon appétit à tous, Bon merci d'avoir appétit, suivi. bon appétit à tout le monde, à bientôt, Et bonne activez les soirée. notifs si vous voulez voir dans la soirée la peinture de cette carreau. Je pense pas que je la finirai ce soir, mais je vous dis à tout à l'heure, au revoir. À tout à l'heure, bonne soirée la loutre, Rémi, Tony, bonne soirée le chat, tout C'est le monde. dommage. On dit au revoir qu'on est à 54 personnes sur le chat. Merci à tous, à très vite, à tout à l'heure Merci pour la beaucoup, suite. bon appétit.